Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Neymar a décidé de répondre à l'interview de Kylian Mbappé. Et il a décidé de le faire, à sa manière. Nous allons tout d'abord rappeler le contexte. Nous sommes mardi le 14 février, et le PSG affronte le Bayern, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Match que les Parisiens ont perdu, à domicile. Après le match, Kylian Mbappé a dit ceci en interview d'après-match. En parlant de santé, comment ça a été? Vous racontez-nous les dernières heures, les dernières minutes juste avant votre entrée et la demi-heure que vous avez passée sur le terrain. C'était compliqué, c'était imprévisible. J'étais pas censé jouer. Voilà, j'avais envie de jouer, d'aider les copains à apporter une énergie. Voilà, on a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. C'était pas ce que je voulais, moi je veux toujours jouer, mais des fois il faut se contenter de ce qu'on peut faire, et aujourd'hui je pouvais faire que ça. Faudra que les choses aillent mieux, vous l'avez dit, faudra que tout le monde soit en bonne santé. Il y a quand même un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr, moi je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas, parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer en football offensif, et ben ils sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Au travers de cette interview, on peut voir que Kylian interpelle ses coéquipiers à mieux se préparer pour le match retour, car ça sera un match décisif, ils devront absolument gagner s'ils veulent se qualifier pour la suite. Mais voilà que le lendemain de leur défaite, Neymar décide de faire ceci. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Je le connais quand il fait cette tête là. Il vient de voir un truc sur son téléphone, non? Non, il a reçu un message, non? Non, mais il est retourné jouer le 10 000 ce soir. Non. Ah ouais? Il est de nouveau au Hayat. Et juste, en fait, c'est juste parti bouffer, en vrai. Moi, je pensais qu'il était allé pour le sponsor. Parce qu'il est au sponsor. Il veut se refaire. Voilà, il veut se refaire. Donc, il a joué un tournoi qu'il a très mal joué cet après-midi. Je pense qu'il voulait dépasser la rien à secouer de Benfica. Il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est Neymar au poker. Non, mais attendez. Donc, je me suis dit, il a sauté parce que c'était un tournoi qui allait se finir très tard ce soir, celui dans lequel il s'est inscrit aujourd'hui. Ah, tu pensais ça? Et en fait, il est revenu, et là, il s'est réinscrit en tournoi ce soir, le 10 000, qui est un gros tournoi de ça veut dire quoi, 10 000? Ça veut dire que tu mets 10 000 euros pour jouer? 10 000, ouais, l'entrée, ouais. Bah, pour lui, c'est rien. Et c'est un gros tournoi, c'est que des très bons joueurs. Avec toutes les amendes qu'il prend par le maire. Mais non, mais c'est ça, qui vous épate, vous. Cela dit, les gens à Bougival sont tranquilles, ce soir. Franchement, 10 000 à Bougival, c'est pas... Hier soir, Mbappé, il dit, il va falloir bien manger, bien dormir. Lui, ah bah voilà. Lui, ce soir, le lendemain du match, il va jouer le 10 000. Voilà pourquoi je te dis que ça m'énerverait. Tu vois, je serais dans le vestiaire, franchement, je... C'est pas possible. Je pèterais un câble. C'est ouvert, on peut envoyer reporter. Non, non, plein délire. Mounir y est. J'ai tellement... Moundir. Non, il y est pas, mais j'ai tellement d'amis sur place, j'ai reçu tout de suite les photos. Écoute, tu vas pas aller au Hayat, là? Non. Il joue le 10 000 ce soir, non mais... Il faut savoir quand même que dans la nuit qui a précédé le match, il jouait à Counter-Strike, c'est comme ça que ça s'appelle, le jeu de guerre, là. Il y a encore des mecs qui jouent à ça? Bah lui, il y jouait, donc il était plus tard que minuit, veille de match. Après, Daniel, c'est pas un souci, si le mec il est... Alors, à votre avis, pensez-vous que Neymar répondait à Kylian Mbappé? Ou alors, est-ce qu'il voulait juste s'amuser et profiter de la vie? De toutes les façons, Neymar est libre de faire ce qu'il veut faire. Et il est aussi important de souligner que, chaque personne a sa manière de déstresser après une défaite. Ainsi, Neymar est libre de faire ce qu'il veut, du moment où il reste performant sur le stade. Pour la suite, nous espérons simplement qu'ils vont mieux se préparer pour affronter le Bayern, et nous leur souhaitons bonne chance. C'est déjà la fin de cette vidéo, laisse-nous un like si tu l'as aimé, surtout n'oublie pas de t'abonner pour rester informé de la suite.